Mes amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de juin 2021. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de votre tirage? On a quand même deux arcanes majeures, la maison Dieu, l'empereur, on a de la coupe, on a de l'intellect, on a du denier, on a du bâton. On a quelque chose qui est assez structuré. Et je pense que vous êtes dans un mois de bienveillance, mais que vous campez sur vos positions pour toutes les difficultés qui pourraient éventuellement se manifester à vous sur ce mois. Alors, vous avez l'énergie principale, celle qui va circuler sur tout le mois des autres. Les autres semblent être importants pour vous, vous êtes peut-être intéressé à aller voir les autres, à prendre un verre avec eux, à faire un repas, à discuter, à échanger. En fait, c'est ça, on est beaucoup dans l'échange. Vous êtes très ouvert, l'envie de voyager peut-être, vous organisez peut-être déjà vos prochaines rencontres, vos prochains voyages, vos prochaines vacances. Et puis, on est quand même dans un comportement qui est ouvert en ce sens où si on vous propose de faire telle activité ou tel projet, vous n'allez pas y être fermé. Moi, je ressens un poisson très, très ouvert d'esprit, très aimant, très équilibré. Donc, bon en balance, c'est un mois où vous êtes stable. Vous frétillez en eau calme. Voilà. Vous avez d'ailleurs l'énergie du mois de juin, en entrant sur ce mois de juin, de la reine de coupe. La reine de coupe va nous parler de quelqu'un de bienveillant. Donc, on est dans le signe d'eau, ça peut être vous, ça peut être aussi un autre signe d'eau, qui soit poisson, cancer ou scorpion. La reine de coupe, elle va nous parler de... Je regarde ma bougie parce qu'elle frétille énormément, alors qu'il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout dans la pièce. Hein. Donc, ça peut être la flamme, ça peut être la cire tout autour, comme ça peut être les énergies, bien évidemment, qui circulent autour de nous. Donc, vous avez cette bienveillance. Cette bienveillance par rapport aux autres, ce côté aimant, ce côté nourricier, avec des émotions très fluides, très douces, très apaisées. Il n'y a pas de crise de nerfs, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tout ça. Vous voyez, la vie est un long fleuve tranquille dès que l'on rentre en début de ce mois de juin. Ça discute, hein. Les événements favorables autour de vous pour vous permettre cette énergie, c'est que déjà au travail, ça doit aller. Dans les projets également, et toutes les ambitions que vous avez, elles semblent portées par l'environnement. Peut-être que vous avez réfléchi beaucoup à ce que vous alliez faire, peut-être que vous terminez une formation, et de ce fait, vous sentez, vous montez une marche, vous avez une reconnaissance supplémentaire, et vous pouvez donc prétendre à faire quelque chose de mieux autour de vous. Alors c'est peut-être vous qui vivez ça, comme ça peut être un autre signe qui le vit autour de vous, et vous le vivez par procuration, et ça c'est pas grave du tout, au contraire, l'important c'est d'être en joie et de se dire, ah ben, on souffle là-dessus, c'est plutôt agréable. Environnement défavorable, il y a quand même un chaos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vous qui vivez cette maison Dieu, cette rupture, cette brutalité, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même dans l'environnement et c'est défavorable, il y a quand même un événement, une parole malheureuse, un acte majeur qui fait que vous allez être perturbé. Peut-être que vous allez devoir fuir une situation, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être trois fois rien, comme ça peut être le grand bouleversement, vous voyez, vous adaptez ça à votre situation. On est probablement à deux sur un socle ou à deux dans une compréhension d'un événement et il y en a un des deux qui ne va pas être sur la même longueur d'onde que vous. Donc dans ces conditions, ça peut créer des disputes, créer des clashs, voire même carrément aller jusqu'à la rupture pour certains d'entre vous. Mais vous n'avez pas envie, hein. Vous n'êtes pas dans l'idée de rupture, c'est vraiment autour de vous ce clash. Alors c'est possible aussi. Pour ceux qui auraient quelqu'un dans l'environnement qui a un nouveau départ de carrière professionnelle ou de nouvelles études, que sais-je, qu'il y a un départ de cette personne pour aller réaliser son rêve. Et auquel cas, vous, ça perturberait votre mécanisme de fonctionnement et ça serait quelque chose d'extrêmement douloureux. Pour autant, vous êtes bienveillant, donc vous allez l'accepter, mais votre amour profond pour cette personne peut vous faire chavirer un petit peu, voyez, comme si on vous enlevait un objet d'amour, en fait, un précieux. Voilà. Je peux tout de suite parler de votre état d'esprit parce que, quand même, ça va un peu avec la maison Dieu.
l'état d'esprit que vous avez, c'est quand même la roi d'épée. Donc la roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide d'acter ce qui se passe dans son environnement et de trancher, de prendre des décisions et de prendre son destin en main. Quand le roi d'épée tranche, c'est très incisif, c'est très clair, c'est où ça casse, où ça passe, c'est où il tue. Alors attention, on est dans la symbolique, hein, personne ne tue personne. Hein. Ou il tue, mais symboliquement, ou alors il abdique, il pardonne et il passe à autre chose. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de grâce, comme il peut être absolument cruel. C'est un côté assez paternaliste et ça peut être aussi un signe d'air qui serait autour de vous, qu'il soit balance, verseau ou gémeaux, ou ce sont des gens comme ça qui sont très beaucoup, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'intellect. Il est possible aussi que, du fait de cette rupture et de cette douleur, vous préférez en parler à un médecin, à un thérapeute, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez difficile à passer. Et comme vous, ce que vous voulez, ben, c'est de la communication, c'est de la bonté d'âme, c'est de la générosité, eh bien, il y a des incompréhensions que vous avez par rapport à ça et qui pourraient justifier que dans votre tête, vous dites, c'est pas possible, il faut que j'aille en parler à quelqu'un ou il faut que j'aille voir quelqu'un qui a des connaissances pour m'expliquer ce qui se passe. Donc, c'est possible aussi qu'on ait ce besoin de compréhension. En tout cas, ce n'est pas dans la famille et les amis que vous trouverez, puisque là, il y a quand même une méfiance, une progression à avoir. On se sent un petit peu en danger. Donc, ça va avec la maison Dieu, hein, je suis désolée, mais ça fait partie de votre tirage, où on se sent un peu obligé de se mettre en sécurité, de se préserver. On regarde un petit peu derrière soi, savoir si on n'est pas suivi, par exemple. Alors, j'abuse, évidemment, mais ça peut être cette idée-là de dire, bon, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, ou qu'est-ce qu'il me veut celui-là, pourquoi il fait ça. Vous voyez, on est dans la méfiance. Et quand on est comme ça, on se met un petit peu en retrait, on observe, éventuellement on comprend, et en comprenant, on peut refaire un pas devant l'autre. En tout cas, c'est vraiment dans cette lignée-là, tout ce côté négatif est là. C'est-à-dire un événement, un environnement qui est défavorable, peut-être lié à une réussite d'un autre, avec un état d'esprit où c'est un petit peu brutal intellectuellement, avec une méfiance liée à la famille et les amis, littéralement. Mais vous, vous êtes stable. Il n'y a pas d'animosité chez vous et c'est vraiment ça qui est important. Dans votre présent, on a l'empereur. L'empereur, c'est effectivement la personne bienveillante. Ça peut être un bélier, parce que l'empereur, c'est la carte typique du bélier, ou vous l'avez en signe de feu, en ascendant ou en signe lunaire, ou une personne autour de vous vous entoure comme telle. Ça peut être vous également, si vous êtes influencé par cette énergie de bienveillance vis-à-vis des autres, de leadership, de quelqu'un qui s'occupe des autres et qui fait en sorte à mettre tout le monde en sécurité. On voit très bien ces enfants-là qui jouent, qui sont apaisés sous la surveillance bienveillante d'une personne qui est très ancrée aux réalités de la vie et qui sait exactement ce qui est important pour les siens. Voilà, qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, c'est qu'on ait tout le matériel, tout le bonheur, ou est-ce que ce qui est important, c'est que tout le monde soit en sécurité et heureux? Voilà, ça c'est votre réalité actuelle. Dans votre inconscient, ce qui vous fait vibrer, c'est de comprendre. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, hein. Là c'est votre corps qui vibre de mille feux, de mille énergies, parce que les événements extérieurs nécessitent que vous ayez la compréhension. Donc au fond de vous, il y a quelque chose qui demande de la rapidité, de la communication rapide, d'un événement rapide. Il faut que vous ayez une compréhension urgente par rapport à l'environnement extérieur. Toujours avec cette bienveillance, hein, il n'y a pas de souci. Mais cette incompréhension-là, cette difficulté-là, nécessite que vous mettiez un mot dessus. Il y a quelque chose à comprendre. Ça vous fait vibrer au fond de vous, c'est très très important. Et comme c'est au fond de vous et que vous n'en avez pas conscience, vous êtes renvoyé à un souvenir du passé, soit en pleine conscience, soit en rêve. Et ce souvenir du passé, c'est d'aller chercher l'amour. Alors, si effectivement il y a une difficulté mineure, même majeure, mais une difficulté qui, pour vous, est incompréhensible et qui nécessite de comprendre pourquoi ça arrive, vous allez aller chercher la réponse dans l'amour, vous allez aller vers l'autre, vous allez communiquer vers l'autre, aller trouver la réponse en cherchant la bienveillance, l'amour, et en vous disant « oui, mais moi j'ai besoin d'amour ». C'est un peu cette image du passé qui revient, où vous avez déjà vécu des incompréhensions et que pour comprendre ce qui se passait, ça supposait d'aller vers l'autre, de faire une démarche positive pour essayer de dire « oui, mais moi j'ai besoin de ton
de ton approche sentimentale. J'aimerais bien que tu me renvoies aussi cette affectivité-là pour qu'on puisse échanger. Donc, dans votre passé, vous avez toujours fonctionné, ou du moins fonctionné un temps, avec cette recherche affective. Et de trouver l'affection vite. Parce que là, ce que je ressens, c'est un poisson qui ne peut pas rester dans des énergies négatives trop longtemps. C'est pas possible. Bon. Futur proche, qu'est-ce qu'on dit ? On me dit que vous campez un peu sur vos positions. Et vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Vous avez raison parce que le fait de maintenir un cap et de faire en sorte à ce que tout soit sous la bienveillance, de régler comme si on coupe l'herbe sous le pied les différentes difficultés par rapport à l'environnement, ça vous permet, si vous voulez, d'avancer sur votre fin de mois. La 4 de denier va nous dire que on est sentimentaliste et que les personnes qui nous sont chères, elles sont importantes pour nous. Donc ne rien lâcher, c'est les préserver. Et les préserver, c'est justement garder son précieux pour toi, pour soi. Pardon. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois, quand je vous dis que c'est vous qui avez raison, as de coupe. Vous retrouvez une émotion nouvelle, symbolique, merveilleuse de compréhension. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible, mais une relation qui se soude. Donc, les difficultés qui sont ici, elles ne sont que passagères. Parce que vos émotions vont être à nouveau découplées, et c'est grâce à vous, vous solutionnez une difficulté, et si vous la solutionnez pour l'environnement, ben on vous remerciera, vous allez être nourri d'amour. Donc ça, c'est très positif. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, reine de bâton, l'environnement va être un peu plus illuminé, un peu plus généreux, donc vous aurez réussi ce mois à obtenir ce que vous voulez, ou vous aurez suffisamment guidé les autres pour les emmener là où ça doit aller. As de coupe pour vous et reine de bâton pour l'environnement, ça veut dire que la générosité, elle est offerte par ce feu, cette action, cette abondance affective, comme deux personnes qui se réconcilient. Deux personnes affirmées, mais en tout cas deux reines. Une reine de cœur accomplie émotionnellement, une reine de bâton accomplie dans l'action. Donc, moi je trouve que c'est un tirage extrêmement rassurant, très très intéressant, très intéressant. Bon voilà, mes amis poissons, maintenant je vais faire l'approfondissement. Donc si vous voulez me rejoindre sur Vimeo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour l'accès à cette vidéo-là en particulier, ou sur abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. Alors, bien évidemment, l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne prendre rien du tout si ça ne vous parle pas, ou de prendre la location uniquement. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous remets tout de suite une carte de l'oracle bleu. Voilà, elle a bien sauté. On parle de l'arbre de vie. Et oui, il y a de l'abondance. Et on fait le tarot, l'approfondissement avec le Lucid Dreams. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe? Oh, on a une reine de coupe inversée. Alors, je ne suis pas surprise. Hein. Je ne suis pas surprise parce que vos émotions vont être mises un peu à rude épreuve. Vous allez être un peu affectée mentalement, mais comme je vous dis, vous gagnez à la fin. Hein. Bon, je ne vous en dis pas plus. Nous avons sur la 6 de bâton la roi de pentacle inversée. Encore une carte inversée sur l'événement défavorable. Oui, on vient vous chercher des histoires. Hein. La cavalier d'épée. Pour le présent... L'empereur, on a la carte de 7 de coupe. Sur l'inconscient, nous avons l'as de coupe. Donc, as de coupe sur l'inconscient, as de coupe sur la fin de mois, ça va. Ce que vos rêves sont des. Vos désirs sont réalité. Sur le passé, nous avons la 9 de coupe couplée à la 7. 7 d'épée inversée, 7 d'épée à l'endroit. Vous voyez, le passé qui revient un peu au galop. Hein.
Sur le futur proche, on a la 5 de pentacle. Sur l'état d'esprit, nous avons la 5 de bâton. Sur l'influence de la famille et des amis, donc il y avait deux cartes, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Par contre, je remets des cartes hein, sur Vimeo, bien évidemment, quand j'estime que c'est pas assez approfondi pour moi. On a le magicien. L'as de coupe, on a le bâton inversé, le roi de bâton inversé, le cavalier de bâton inversé. Et sur cette reine de bâton, nous avons la 5 d'épée renversée. Et on a la 5 de coupe aussi. Donc, ouais, il y a des petits règlements de compte, mais qui vont vous être favorables. Je vous tire également une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message de soutien sur tout le mois. Une carte de... Comment dirais-je ? Une carte conseil, une carte de protection. Elle est déjà tombée. Enfin, elle est tombée, elle n'a pas été tirée quand même. Hein, donc, allez, je préfère trier. Oh, bah, dis donc, elle tombe encore. Allez, on vous dit, on vous parle du jardin éternel. Très, très jolie carte. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je procéderai au tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand en tirant 5 cartes. Vous pouvez soit vous imprégner d'une question par rapport à ce tirage s'il vous interpelle, soit au contraire vous laisser porter par le jeu ce que je vous conseille. Parce que parfois on se pose une question parce qu'on est focalisé sur un problème et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand nous dit « Mais en fait, tu regardes ce problème-là alors qu'il faut regarder ce problème-là. » Et donc c'est pour ça, moi je vous invite maintenant, j'ai remarqué au titre de mes consultations privées, qu'il valait mieux se laisser porter par le jeu plutôt que de se focaliser sur une question puisque la réponse vient, mais elle vient en regardant sous un autre angle. Voilà, bon allez mes amis poissons, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne. Commentez, likez, partagez. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.